Salut. Salut. Alors, c'est quoi cette convocation chez le directeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est la faute de Mina. Tu me racontes ce qui s'est passé, histoire que je puisse me faire mon opinion? En fait, tout a commencé ce matin. On devait aller au parc pour le stage de secourisme organisé par le collège. J'avais rendez-vous en bas de l'immeuble avec Mina. J'étais de très bonne humeur et tout. Alors déjà, Mina, direct, elle était mal lunée. Genre, je me suis carrément levée du mauvais pied. Hé, oh, attends-moi! Salut! Tu as 43 secondes et 10 centièmes de retard. Et moi, je déteste être en retard. C'est bon, stresse pas, ma grande. On y va en trottinant et on sera pile à l'heure. Y a intérêt. Je veux avoir mon diplôme, ok? Première leçon, un secouriste arrive toujours à l'heure. T'imagines, 43 secondes de retard, faut être carrément maniaque pour s'énerver comme ça. Il faut être carrément gonflé pour inventer un truc pareil. T'avais 43 minutes de retard, ma vieille. Hé, hey, salut Joss. Bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a un petit malentendu entre nos filles, non? Il n'y a pas de malentendu. C'est Lou qui raconte n'importe quoi. J'avais la pêche, moi. Ce matin, j'étais à l'heure, tranquille et tout. J'attendais que Miss Maud s'habille comme tous les matins. Je commençais à perdre un peu patience et la voilà qui déboule comme une furie. J'arrive! En retard, comme d'habitude. Je te jure, il faut vraiment que je t'aime bien. Oh, ça va, hein? C'est pas la peine de me faire une crise parce que j'ai 3 secondes de retard. Aujourd'hui, j'aimerais autant être à l'heure. Il y a le brevet de secouriste qui est en jeu, tu vois. Il y a le brevet de secouriste et je ne voudrais manquer ça pour rien au monde, car ma grande patience est d'aider mon prochain. Quoi? Je me suis jamais moquée de toi comme ça. Oh que si! Faut dire qu'aider les autres, Lou, elle s'en fiche totalement. Le seul truc qui l'intéressait, c'était de faire l'exercice du bouche à bouche avec Tristan. Eh ben d'accord. Disons que j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Ah ah, tu fais bien d'avouer. Mais attendez de savoir ce qui s'est passé ensuite. C'était pathétique. Quand on est arrivé au parc, on était très en retard. Mais Lou ne pensait qu'à son satané bouche à bouche avec Tristan. Et si je m'évanouissais en l'embrassant? Et si Tristan ne voulait pas m'embrasser? Et si je sentais mauvais de la bouche? Arrête de t'angoisser, tout va bien se passer. Tu m'as pas du tout dit ça. Quand on est arrivé, donc, le cours avait déjà commencé, mais depuis pas du tout longtemps, hein. Ah, tu admets qu'on était en retard. Mina, laisse Lou parler, enfin. Je disais donc, le cours avait à peine commencé. J'étais hyper relaxe et Mina toujours aussi stressée. Je vais essayer de me mettre avec Tristan, tu sais, pour le bouche à bouche, tout ça. Ça t'embête pas? Dis-le franchement, hein. Fais comme tu veux, t'es grande. Écoute, je m'en fiche de tes combines vaseuses. Ce que je veux, c'est mon brevet. J'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Bon, je peux continuer? Donc, on est arrivé. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Et voilà, à cause de toi, on a raté les 32 premières secondes du cours. Désolée, tout est de ma faute. Oh, flûte! Du coup, Solène a déjà mis le grappin sur Tristan. Mais non, c'est honteux! Ça s'est pas du tout passé comme ça! On est arrivé. Oh. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Ouf! On n'a rien raté, pour ainsi dire. Tu vois, c'est tout toi, ça. Tu mets la pression aux gens et résultat, tu te fais de la bile pour rien. Non, j'y crois pas! Franchement, maman, tu vas pas croire ça! J'en sais rien. C'est vrai, c'est très confus comme histoire. Mina, continue, s'il te plaît. Donc, le cours a commencé. Lou était dans tous ses états. Une fois que vous avez vérifié que la victime est inconsciente et respire normalement, vous alignez les jambes dans l'axe du corps. Tristan va embrasser Solène, je vais sombrer dans le désespoir et me noyer jusqu'à la fin des temps dans les limbes de la lamentation. Du calme, c'est juste un exercice technique de réanimation. C'est pas le baiser de Jack et Rose dans Titanic. Tu comprends rien! Ma vie est fichue! Ça y est, j'ai trouvé. Tu vas échanger ta place avec Gilles. Hein? Pourquoi? Gilles adore Solène. Quand je serai avec lui, je ferai en sorte qu'il veuille être avec elle. Comme ça, je me retrouverai avec lui. Lui? Qui? Gilles? Mais non, idiote! Avec Tristan! Ah, mais ce serait pas plus simple de lui demander directement de se mettre avec toi? T'es dingue! Si je fais ça, il va tout de suite comprendre que je veux l'embrasser.
Bref, comme j'ai bon fond, j'ai pris la place de Gilles, qui avait un pantalon à poche. Il se trouve que ça a arrangé Melvin. Enfin, vous allez comprendre. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Je peux pas te toucher. Pourquoi? Parce que je suis gynophobe. T'aimes pas les pizzas? Gino, pas Gino. Ça vient du grec, ça veut dire femme. Alors, tu n'aimes pas les filles? Non, c'est juste que j'en ai peur. C'est une phobie, quoi. Ben, t'as qu'à imaginer que je suis un garçon. Ça marchera pas. Pourquoi? Tu portes un pantalon à poche. J'ai peur des garçons qui portent des pantalons à poche. Hey, dis-moi, il y a quelque chose qui te fait pas peur? Les ornithorynques. T'en rajoutes des tonnes! Melvin n'est pas gynophobe, il est juste timide. Tu racontes des salades parce que tu veux pas qu'on sache que tu m'as trahi. Ouais, une pure vengeance, au moment où j'allais enfin faire équipe avec Tristan grâce à mon plan génial. Dis Lou, tu voudrais pas échanger ta place avec Solène? Ne te vexe pas, hein. C'est juste que, ben, comme ça, je pourrais être avec elle. T'inquiète, ça me vexe pas du tout. Gilles, tu ne veux pas plutôt te mettre avec moi? Non, je... Allez! Pour me faire plaisir. Bon, ok. Super! Tu sais, j'adore les garçons intelligents. Alors là, c'est de la désinformation totale! Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lou a gravement tanné Gilles pour qu'il se mette avec Solène. Allez, Gilles, si tu acceptes, je t'offre un abonnement à vie au planétarium, hein? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, je lui ai jamais proposé ça! Oui, enfin bref, Gilles en a eu plus qu'assez, et du coup... Tu es pénible, Lou, tu sais quoi? Je vais effectivement changer de place. Je veux pas être avec toi, en fait. Je vais me mettre avec Mina. Mina, tu veux bien te mettre avec moi? Ok, hein? D'accord. Ça m'arrange, il ne supporte pas que je le touche. Pour faire les exercices, c'est pas simple, hein. Tu veux bien te mettre avec Lou, Melvin? La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Non, mais tu veux que je te colle une baffe? Attendez, je l'ai jamais menacée physiquement. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Quel farceur, ce Melvin. Tu m'excuses, j'ai un truc à dire à ma copine. Ma copine? Tu parles? Tellement obsédée par son satané brevet qu'elle a rien fait pour m'aider, hein. Je ne veux pas faire équipe avec Melvin. Il est complètement zinzin. Il va me faire rater mon brevet. Allez, au nom de notre amitié qui dure depuis super longtemps. Et là, d'un ton cruel et sans appel, elle m'a dit... Non. Moi, cruel, pas du tout. Je lui ai répondu ce que je croyais juste, d'un ton feutré et sécurisant. Ma louloute, je vais te faire de la peine. Mais cette fois, c'est non. Désolée, ce brevet est vraiment important pour moi. Ouais, le fait est qu'au moment de l'exercice du bouche à bouche, je me retrouvais avec Melvin et Solène était toujours avec Tristan. Et là, le cauchemar a commencé. Donc, après avoir aspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Et là, après s'être agenouillée à côté de Tristan, Solène a... Enfin, ils se sont... Ben, elle lui a fait du bouche à bouche, quoi. Y a rien de sexy là-dedans. Donc, après avoir inspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Le pire, c'est plutôt ce qui s'est passé après. Attends, mon garçon, laisse-moi faire. Regardez tous comment il faut s'y prendre. J'en connais deux qui vont aller s'expliquer chez monsieur le directeur. Effectivement, là, ça s'est bien passé comme ça. Ah, on est au moins d'accord sur un point. À cause de tout ce bazar, je n'aurai jamais mon brevet de secouriste.
t'avais qu'à être plus cool. C'est de ta faute. Non, c'est de la tienne, espèce d'hystérique. Ouais. Ça suffit. On en a assez entendu. Et en ce qui me concerne, je n'ai rien compris. Moi non plus. Bon, c'est l'heure. Le directeur nous attend. C'est lui qui va trancher. Ben, ça aurait pu être pire. Tu parles. Vous n'avez eu qu'un simple avertissement. À la place du directeur, je vous aurais collé 500 lignes à recopier. Minimum. Maman, tu sais, ça ne se fait plus. Ah bon? Ben non, et depuis longtemps. J'ai été un peu ridicule. J'ai pensé qu'à moi, j'ai pas réalisé que ce brevet te tenait tellement à cœur. Bah, j'aurais d'autres occasions. J'étais sans doute un peu stressée toute la journée. Je n'étais pas très à l'écoute et tout. Mais non, t'étais dans ton truc, c'est normal. C'est moi, je suis vraiment très égocentrique et... N'importe quoi, toi tu vois la vie du bon côté, tu es positive et je ne peux pas t'en vouloir d'être amoureuse. C'est moi, je suis trop cartésienne et... Tu es le bon sens incarné, c'est tout. Moi je suis complètement à l'ouest tout le temps, j'aimerais tellement être forte comme toi ma louloute. Rentrez, louloute, tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, je... Attends, qu'est-ce que c'est qui est de ma faute au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu, voilà ce qui est de ta faute. Mais t'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous, j'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. Bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi. Ben moi j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Non. Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher un... n'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma là. J'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là, parce que franchement... Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein. Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza?
Et hop, de manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza, il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui, en fait, c'est entièrement de sa faute. Salut, Lou, qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vésuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza, il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, pourquoi tu l'as mangée, cette pizza Vésuvio? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi? À cause de mamie. Tu ne t'en souviens pas? Allons bon, et qu'est-ce qu'elle vient faire là, mamie? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Oh zut, celle-là, c'est celle de Monsieur Verdier. Si tu veux, je peux... Allô? Ah, maman. Non, je n'ai pas enregistré la clinique de la Forêt Vierge. Si, en fait, on allait se mettre à table. Non, pas avec Lou, avec Richard. Richard, comment? Maman, tu ne vas pas recommencer. Mais où tu veux que je trouve de l'antilimace bio en pleine ville? Tu ne peux pas demander à Monsieur Chassagne? Oui, je sais bien que c'est un malotru, mais... Bon, ok, rappelle-moi plutôt demain. Je t'embrasse. Ça va? J'ai pas été trop longue? Si tu veux, je peux la changer. Pas le temps, après un coup de fil de ma mère, tout me semble doux comme du miel. Alors si je comprends bien, c'est de la faute de mamie. Ok, je l'appelle. Elle va m'entendre, hein? Où est le téléphone? Non, ne la dérange surtout pas maintenant, c'est l'heure de son feuilleton. Tant pis, que justice soit faite. Justement, ce serait injuste. Et c'est quand même pas mamie qui s'est trompée de pizza. Pizza, il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Oh zut, c'est celle de Monsieur Verdier. Oui. Monsieur Verdier. Qu'est-ce que c'est? C'est Lou, Monsieur Verdier. J'espère que ça n'est pas pour la loterie du collège. La dernière fois, j'ai gagné une entrée pour la fête du bois et je suis resté coincé sur la grande roue. Non, c'est juste pour une petite question. Est-ce que vous avez acheté une pizza chez Gino ce midi vers 12h30? 12h33 pour être plus précis, mademoiselle. Je le sais car j'ai raté le début de mon feuilleton. Et là, je lui ai sorti ma blague favorite. Dis donc, ma pizza Vésuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Elle arrive, signor Verdier, presto subito. Et voilà, une Vésuvio et une quattro fromaggi per il signor Richard. Mais alors, c'est pas vous qui avez pris la mauvaise pizza? J'ai pris la pizza que Gino m'a donnée. D'ailleurs, il s'est trompé, je ne manquerai pas de le lui dire. Mon pauvre Boubou ne digère pas la quattro fromaggi. Pas vrai, Boubou? Gino! Ciao, bella! Que puis-je pour toi, cara mia? Me donner des explications. Pourquoi tu as donné la pizza destinée à Richard à Monsieur Verdier, hein? Je me suis trompé de pizza? Oh, porca miseria! Oui, et du coup, ma mère a été malade. Un momento! Après réflexion, non è colpa mia! Comment ça, pas de ta faute? Alors, tu le sais ou tu le sais pas? Excusez-moi, mia bambina, mais il y a du travail, tout ça. Dis donc, ma pizza Vésuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Si, elle arrive, signore Verdier, presto subito. Alors comme ça, Mina était dans la cuisine avec toi? Si, elle est venue me poser une question alors que j'avais un sacco de gente dans mon restaurant. Quelle question? Je ne m'en souviens plus, il y avait la tête comme une pentola. C'est pour ça que je me suis trompé des pizzas. Mina? Salut? Entre. Salut?
Il y a un souci? Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu as dérangé Gino pendant qu'il préparait ses pizzas. Allez, réponds. Oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Eh, hey, dis donc, du calme. Primo, je ne vois pas où est le problème. Et secondo, j'avais un truc crucial à lui demander. Mina, je vais commander le déjeuner. Carlo Girotti, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas. Japonais ou libanais? Carlo Girotti, libanais? Non, le déjeuner, tu veux manger japonais ou libanais? Mais je m'en fiche! Je veux juste savoir si Carlo Girotti est italien ou pas. Et sur le web, c'est n'importe quoi. Ils disent tout et au contraire, c'est dingue ça! Ma chérie, voilà une excellente occasion de t'instruire et de t'ouvrir aux autres. Je te conseille d'aller à la rencontre d'une personne d'origine italienne et de lui poser ta question. Oh, Gino! Super idée, maman! Allez, je fonce! À plus! Profites-en pour ramener des pizzas. J'en prendrai une au tofu. Mais alors? C'est la faute de ta mère. Mais c'est quoi cette histoire de faute? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ta mère t'a dit d'aller voir Gino. Là, tu as embrouillé Gino qui s'est trompé de pizza et à cause de ça, j'ai raté mon rendez-vous au ciné avec Tristan. Parce que du coup, maman a eu des crampes d'estomac après avoir mangé la pizza Vésuvio de Monsieur Verdier à la place de la 4 fromages de Richard. Bon, bref, sans parler de mamie qui a téléphoné et qui a tout compliqué. Ma mère n'y est pour rien. J'ai plutôt l'impression que c'est la faute du pari. Quel pari? T'as déjà oublié? J'en reviens pas! Tu crois vraiment que les pigeons descendent des dinosaures? On descend bien des singes. Ouais, mais quand même. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai invité Tristan au ciné cet après-midi. Ah, c'est pas trop tôt. Et vous allez voir quoi? Mission Delta 2, c'est Tristan qui a choisi. C'est avec l'acteur italien qui a été Monsieur Univers, Carlo Girotti, tu connais? Ouais, tu parles d'un romantisme. Au passage, je te signale que Carlo Girotti est américain. Hein? Non, j'en suis quasi sûre, il est italien. D'origine peut-être, mais il est né à New York, sûre et certaine. On parie? Bref, si je suis allée voir Gino, c'est à cause de ton stupide pari. Mais alors, ça veut dire que... Que tout est de ta faute, eh oui. Il est italien, Carlo Girotti? Islandais. Il est né à Reykjavik. C'est Tristan. Il doit être furieux. J'y vais. Allô? Lou, ça va? C'est Tristan. Je t'appelle pour m'excuser. De quoi? Bah, tu sais bien, d'avoir raté notre rendez-vous au ciné. Toi aussi? Comment ça? Ben, tu sais, quand tu m'as appelé pour me demander si Carlo Girotti était bien italien, j'ai voulu regarder sur Internet. Je sais pas s'il est italien, mais je vais vérifier. Oui, ok. À tout à l'heure au cinéma. En fait, j'ai rien trouvé sur Carlo Girotti, mais en surfant, je suis tombé sur des vidéos marrantes. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer et j'ai loupé notre rendez-vous. Je suis arrivé en retard au ciné et t'étais plus là. Je suis vraiment désolée. Tu m'en veux pas trop? Non, je t'en veux pas. Parce que, au fond, pour tout te dire, c'est pas vraiment ta faute. Ah bon? Bah non. Et en plus, j'aime pas trop les acteurs islandais. Quoi? Rien. Ça te dit, un tour? Au parc? Ah bah oui. Génial. J'avais peur que tu me fasses toute une scène. Une scène? Jamais de la vie. C'est pas mon genre, hein. Allez, à tout de suite. je vous laisse, hein. Ce coup-ci, je fonce, hein, avant que vous fassiez tout pour me faire rater à nouveau mon rendez-vous. Allez, bye. We'll be right back.
anniversaire. C'est sympa, Lou, mais cette année, mon anniversaire, ce sera sans moi. Hein? Mes parents, le divorce, tout ça, je sens venir le truc. Tu vois, genre, ils sont là, tous les deux, autour du gâteau, à vouloir m'organiser la fête parfaite, et puis paf, ils se mettent à se crier dessus. Je les connais par cœur, tu sais. Tu dramatises pas un chouïa, là? J'ai réservé le meilleur karaoké de la ville. Il y aura un buffet et une fontaine de jus de fruits exotiques. Exotique, ça? Tu as toujours aussi peu d'imagination, mon pauvre Robert. Bon, ok, tu dramatises pas. Un gâteau d'éléphant, une pluie de pétales de rose. Ah, Mina, tiens, dis à ton père que le karaoké, c'est ringard. Tu ne trouves pas que l'éléphant, c'est pour les bébés? Stop! J'en ai marre d'être au milieu de vos disputes. Et c'est pas la peine de prendre mon anniversaire comme prétexte. Parce que cette année, je ne veux pas de fête. Je veux être tranquille et seule. Enfin, ma chérie! Eh bien, bravo, tu es fière de toi, j'espère. Ma louloute, on ne peut pas forcer les gens à faire la fête s'ils n'en ont pas envie. Mina, on aurait envie si ses parents étaient moins cinglés. T'aurais vu ça, ils sont partis dans une dispute pour une histoire d'éléphant et de jus de fruits. Ah, ils vont se calmer, il faut un peu de temps. C'est comme pour la sculpture. Avec du temps, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, mais du temps, là, en l'occurrence, j'en ai pas. C'est demain son anniv, Mina. Il suffit d'un peu d'imagination et on arrive à tout surmonter. Bon, il n'est pas fini, mais il va être superbe. Et puis l'important, c'est d'essayer, hein? Allez, ma vieille, déprime pas comme ça, franchement, tu vas pas rester toute seule, c'est glauque. J'ai Jean-Pascal pour me tenir compagnie, c'est encore plus glauque. Allez, viens à la maison, on se fait une pile de crêpes et on écoute de la musique. T'es partante? Mince, la tuile, mon père va passer à la maison pour me donner mon cadeau. Et ma mère qui a pris son après-midi va débarquer elle aussi. Bon, ça marche pour les crêpes, je leur dis que je suis chez toi. Je ne veux plus les voir et surtout pas tous les deux ensemble. Oh. Joyeux anniversaire, Mina. Ah, tu voulais pas de fête d'anniversaire avec tes parents, alors je me suis dit qu'une petite fête entre nous. Waouh, c'est vraiment super. C'est la première fois que je le fête sans mes parents, ça fait bizarre. T'en fais pas, Mina, ça va s'arranger. Faut leur laisser le temps de digérer tout ça, ça arrive les disputes. Moi aussi, tu sais, bah, parfois je crie fort contre le loup. Il y a d'autres invités? Bah non, ça doit être Gino et le super gâteau d'anniversaire. Mina est ici, je crois. Désolée, je ne pensais pas jouer les troubles fêtes. Ma chérie, je m'en veux terriblement de m'être disputée comme ça avec ton père au sujet de ton anniversaire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu me pardonnes? Si je peux me permettre, j'ai une super idée. Vous n'avez qu'à utiliser le super truc dont on se sert, Lou et moi, pour se réconcilier. Le gage musical. Efficacité garantie. Mais faut vraiment être prête à tout. Je suis prête à... tout. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Super! Ouais! Le flow est poussif, c'est pas en rythme, mais bon, t'as fait de ton mieux. Allez, tu peux rester, tu es pardonnée. Bon anniversaire, ma petite fille. Enfin, ma grande fille, devrais-je dire. Après MC Joss, la maison vous propose un grand tournoi du jeu le plus formidable du monde dont je suis la record woman intergalactique avérée. J'ai nommé le Twister. Buongiorno, vous venez pour la fête d'anniversaire? Une fête? Quelle fête? Ma, c'est fantastico! J'ai une monde de fou au restaurant, je vous confie les tiramisu, ciao! Une fête d'anniversaire? Lou, bellissima! Si, le tiramisu est prêt, je viens juste de le donner au papa de Mina. Au papa de Mina? Main droite sur verre. Richard, tu viens chercher le gâteau avec moi? Robert, le père de Mina, arrive. Il ne doit pas voir Joss. Sinon, ils vont encore se disputer et Mina aura le pire anniversaire de toute sa vie. Alors tu vas dans ton appart et tu le décores. On va faire une deuxième fête d'anniversaire. Mais on fera croire à Robert qu'il n'y en a qu'une seule. Et je vais tout faire pour le retarder. Allez, go, go! Robert! Oh, quelle bonne surprise! Comme cette fête d'anniversaire. On y va? J'aimerais voir Mina. Vous savez ce que m'a raconté Mina un jour? Il paraît que pour l'anniversaire de ses 4 ans, vous lui avez offert un... Sauf qu'elle n'a pas compris, normal, elle avait que 4 ans. Mina m'a aussi raconté la fois où vous étiez partis au bord de la mer tous ensemble et que vous avez voulu lui apprendre à nager. Il faut dire que vous étiez un sacré père. Et ce jour où... Et ce jour où... Bon, ben alors on y va à cette fête d'anniversaire ou quoi? En avant!
Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi souple? Non, c'est par ici. Ma jambe, elle, elle est à l'envers, non? Mais c'est la voix de ta mère, non? C'est que elle est prof de yoga maintenant. Elle nous rejoint après son cours. Ah! Une crampe! Je sens plus ma jambe! C'est original. Oui. Oui, j'ai donné tous les documents à Edwige avant de partir. Je retourne en face. Comment ça? À tout de suite. Ne me laisse pas tout seul. Je n'ai rien à lui dire, moi. Il a l'air grognon comme ça, mais quand tu le connais mieux, il est toujours aussi grognon. On s'y fait. Ma jambe semble ne pas céder. Continuez. Main gauche sur jaune. Mina? Pied droit sur le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Mina, c'est la cata. J'adore ce jeu. Bon, j'abandonne. Trop forte, ta mère. C'est quoi ces messes basses? Il ne faut pas que mes parents se rencontrent, sinon ils vont croire qu'on a tout organisé dans le dos de l'autre et ça va être la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? On ne joue plus? Vous, vous me cachez quelque chose. Allez, poussez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est que... il est très mauvais perdant, alors il est retourné chez lui. On aurait dû lui présenter Robert, alors. Pardon, ma chérie, je vais arrêter de parler de ton père comme ça. Essaie toujours, mais tu sais, je ne suis pas en sucre. On refait une partie? Tu viens? On a évité la catastrophe. C'est quoi la suite du programme? Trouve un moyen de faire diversion. Joss doit rester ici pendant qu'on va à l'autre fête d'anniversaire. Il faut faire vite. Je sais pas combien de temps Richard va tenir avec Robert. Vous travaillez dans la pub? Vous vendez des disques? Je prépare aussi une thèse sur les fabliaux italiens du Moyen-Âge. La poésie. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Ah, ça. Bon, alors, pour le gâteau, pendant que tu allumes les bougies, nous, on s'occupe de Mina. Quand tu entendras le mot secret, tu viendras nous retrouver. Ce mot, c'est turboréacteur. Joss, eh oh, tu m'écoutes? Quoi? Oui, oui, j'ai compris, turboréacteur. Vas-y, vas-y, je te rejoins. Je ne peux pas laisser cette chambre dans un état pareil. Yes! Une fête d'anniversaire! Cool! Mina, aujourd'hui c'est ton anniversaire. C'était pas très sympa que je me dispute avec ta mère. Excuse-moi, je suis prêt à tout pour me faire pardonner. À tout? Vraiment? Cherche pas à comprendre. Quand tu recevras un texto avec le message Go, fais le plus de bruit possible. Richard, tu veux bien être le coach de mon père pour son numéro? Et comme ça doit être une surprise, on vous laisse répéter tranquille. Bah alors, maman, qu'est-ce que tu fabriques? Ma chérie, j'ai honte. Mais Emma a été tellement gentille d'organiser ta petite fête. C'est mieux comme ça, non? Allez, on passe au gâteau et au cadeau? Un numéro musical, mais qui lui a mis ce genre d'idée en tête? Je ne sais ni chanter ni jouer d'un instrument, moi. Allons, allons. C'est peut-être juste que vous n'avez jamais essayé. Allez, soufflez là-dedans. Bon, je vais vous montrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mina. Tu ouvres tes cadeaux? Il fait agenda et organiseur électronique. Je vais le découper. Maman, empêche-la de toucher au gâteau, on en a besoin pour chez Richard. Mina, remballe les cadeaux tout de suite et il faut trouver une nouvelle occupation à ta mère. Je n'arriverai jamais à faire un numéro. Je n'ai aucune fantaisie. Je n'ai pas de passion à part mon boulot. Je suis très ennuyeux. Étonnant que ce se soit mal passé avec ma femme. Mais Jean-Pascal, bon sang, j'aurais juré entendre mon chien. Vous savez, il arrive que pendant une rupture, on ait parfois des hallucinations auditives. Ça m'est arrivé. Fauteuse. Ah, mais si, je vous promets. Ça a commencé un jour où il pleuvait. Je me souviens, j'avais décidé d'aller au zoo. Sono tanto contento pour la bambina Mina. C'est tellement mieux malgré sous séparazione d'être venu avec son marito. Quoi? Robert est ici?
Allô, Lou? Oh. Bon, et si on laissait à Robert le temps de peaufiner son numéro, hein? Mais pas de mais. Allez, bon travail. Peaufiner le numéro? On n'a même pas commencé. Faucon rusé, mouflon espiègle. Où est Robert? Vous vous êtes bien fichu de moi. Oui, mais tout cela ne serait jamais arrivé si papa et toi étaient un peu plus civilisés et si vous pouviez passer plus de 5 minutes sans vous disputer. C'est vrai, mais je me suis déjà excusée et ne me dis pas que Robert est chez Richard. Et ils ne se sont pas encore entretués? Racala, rigola, eureka. Masmola, Rikita, Karamba! C'est ça votre numéro? Non, c'est la danse rituelle du camp de scout où Mouflon Espiègle et moi avons passé tout un été. Le même camp de scout, vous vous rendez compte? Mais j'ai un gros problème. Je nage, comment dire, pas très très bien. En fait, je nage comme un fer à repasser. Ou comme une enclume, si vous préférez. Bref, j'ai peur d'être totalement ridicule. Du coup, j'hésite à y aller. Bon, évidemment, ça, c'était avant le coup de jarnac de maman. S'il te plaît, dis oui. Si j'ai bien compris, tu veux que je m'occupe d'Aurélie toute la journée? Elle s'appelle Amélie. Oui, enfin, ta copine lourdingue qui te suivait partout à la fac. Celle que tu surnommais Relou-Garou. Oui. La nana ringarde, timide, complexée, pas drôle et pire cuisinière que toi? Oui, elle est de passage en ville. J'ai pas pu lui dire non. J'aimerais bien rester avec elle, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur. Tu comprends? C'est vraiment important. Allez, ma louloute, quoi? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hein? Mais c'est du chantage, ça! Un mois de ménage complet, avec litière du chat à changer, cuvette à récurer et calcaire de la baignoire à gratter. C'est du vol, mais bon, d'accord. Tu parles? J'aurais dû demander plus, oui. Je vais me coltiner Amélie toute la journée au lieu d'aller à la piscine avec l'amour de ma vie. Hé hey. Salut. Salut. J'imagine que tu es Lou. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais haute comme ça. Tu es une grande fille maintenant. C'est à cause de ce truc-là, là, la croissance? Tu as l'humour de ta mère. Au fait, elle n'est pas là? Ben non, elle est chez son éditeur. Je vois, sacré Gretzel. Hein? Gretzel?
C'était son surnom à la fac. Moi, on m'appelait Relou-Garou. Ouais, je sais. C'est plutôt original. Je n'étais pas très rigolote. Et maintenant? Maintenant, j'ai un peu faim. Si on mangeait quelque chose, histoire de faire connaissance. Le frigo est carrément vide, on va à la pizzeria? Pas question, non. Si tu le permets, je vais nous préparer un petit frichti. Tada! Et voilà! Bon appétit! Alors? C'est délicieux, c'est juste surprenant. Il manque une touche de paprika. C'est une recette que j'ai apprise au Mexique. Vous êtes allée au Mexique? Tu peux me tutoyer. J'y ai vécu 2 ans, oui. J'étais reporter là-bas. Dis, après déjeuner, ça te dirait d'aller faire du shopping? Je n'ai plus rien à me mettre. Ok, si tu veux. Mais je connais pas de magasin qui vendent des vêtements. Ouais, Ringard, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je te fais confiance pour le magasin, je m'adapterai. Allô? Coucou, c'est moi. Tout va bien? Désolée, je reviens tout de suite. Je survivrai. Amélie a préparé le déjeuner. Ma pauvre louloute, c'était pas trop infâme? Ben non, au contraire, elle fait plutôt bien la cuisine. Mieux que toi en tout cas. Oh, oui, et là on va aller chez SD et CC pour s'acheter des fringues. Ça se passe pas si mal alors? Bah en fait non, on s'entend même très bien. Et toi, dis-moi, ton rendez-vous, qu'est-ce que ça donne? Bah je survivrai, à plus. T'es prête? Go! Alors? Bah comment dire, en fait ça ne te va pas du tout. Toi, en revanche, tout te va. Ouais. Mais ce que je préfère, c'est créer ma propre mode. Quand j'ai du temps, je me fabrique des fringues. C'est dingue, ça. Moi, c'est pareil. C'est marrant. Tu corresponds pas du tout à la description qu'a faite ma mère. J'ai changé depuis la fac. Ta mère aussi a dû changer, non? Je sais pas comment elle était à la fac, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Ne me dis pas qu'elle est toujours aussi fan de jeux vidéo. Bah, plus que jamais. Les jeux ont évolué, mais pas elle. Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire après ce petit shopping? En fait, je devais aller à la piscine, mais... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille pas. Pourquoi? Ben, c'est bête, mais je nage pas très bien. Et j'ai peur que Tristan me trouve un peu godiche. Tristan? C'est ton petit ami? Ben... Ne t'inquiète pas, je vais te donner 2 ou 3 tuyaux et ton Tristan, il va carrément craquer. Tu crois? Fais-moi confiance. Mademoiselle, nous allons à la piscine. Auriez-vous des maillots de bain à nous montrer? Vous désirez? Voilà. En fait, je voudrais un renseignement. Les deux clientes qui viennent de partir, eh bien... Qu'est-ce qu'elles ont acheté? Bien, des maillots de bain. Pourquoi? Waouh! Tu plonges super bien! Tout est une question de confiance en soi. Allez, à toi! Débrouille très bien. Voyons, ne crie pas comme ça, jeune fille. Tu vas effrayer les tardigrades. Ah, c'est vous. Vous m'avez fait peur. Amélie, je te présente l'ancien. C'est un des locataires de notre immeuble. Amélie, une amie de ma mère. Vous, je vous ai vu nager. Où avez-vous appris?
dans la baie d'Along avec les barracudas. Non, en Afrique du Sud, au milieu des requins blancs. Ah, je leur ai parié. Méfiez-vous d'électroïdes, ils sont partout. Ne vous inquiétez pas, j'ai une dent en céramique. Bien joué, camarade. Au milieu des requins blancs, le pire, c'est que c'est vrai. Hé, hey, Lou. Ah, salut, t'as eu mon message? Oui, tu as pu te libérer finalement? Pas vraiment en fait. Allez, viens, on va nager. Waouh! Tu plonges hyper bien. Salut, voisine. Ah, bonjour. Ne craignez rien, votre fille est protégée par une disciple du grand Matutu. Oui, j'ai cru comprendre. Après la fac, j'ai appris d'autres langues. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer une ONG. C'est à cette époque que t'as écrit ton livre ? Non, ça c'était plus tard, quand je vivais au Japon. C'était un essai sur l'origine du théâtre kabuki. Quand je pense que ma mère galère grave pour écrire le sien. Hé ! Ah, coucou ! Hé, hey, ben... Gretzel ! Salut Amélie ! Maman ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je... Attendez, j'arrive ! Mon rendez-vous chez mon éditeur est terminé. Voilà. Et vous, c'était sympa? Oh ouais, on revient tout juste de la piscine. Tristan a trouvé que je nageais super bien, grâce à Amélie. Ah oui, ça a dû te faire plaisir. Tu m'étonnes, elle est géniale, Amélie. Tu sais qu'elle danse le flamenco et qu'elle a passé 6 mois dans une lamasserie au Tibet? Sans blague. Et je suis sûre qu'elle a fait au moins 10 fois le tour du monde. Non, 4 fois seulement. Super. Eh bien, moi, je ne parle que le sildave. J'ai écrit un roman que personne ne lira. Ma vie amoureuse est un fiasco. Et pour couronner le tout, d'après ma mère, j'ai raté une glorieuse carrière de postière à Mortebouze. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je vais rentrer dans mon appartement minable pour prendre un bain. Bah, qu'est-ce qu'il lui prend? Je crois savoir. Tu sais, maman, quand je dis qu'Amélie est super, ça veut pas dire que je te trouve pas super. Toi aussi, c'est juste que... Écoute, il y a longtemps que je voulais te dire quelque chose. Quand j'étais à la fac, je n'avais vraiment pas confiance en moi. C'est à cette époque que j'ai rencontré une fille que j'admirais beaucoup. Tellement que je n'arrêtais pas de lui coller au basque. Et ce n'était pas facile pour elle, tu vois, parce qu'elle élevait un enfant tout en faisant des petits boulots et en continuant ses études. Et pourtant, même si elle ne dormait plus pour pouvoir travailler et avoir ses diplômes, tout en s'occupant de son bébé, elle m'a aidée. Cette fille a toujours été un exemple pour moi. Sans elle, je ne serais jamais devenue la femme que je suis maintenant. J'ai toujours voulu la remercier pour m'avoir donné le courage d'affronter la vie. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci, Gretzel. Une petite partie? Tu sais, pour ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi nulle. Justement. D'accord, mais juste une partie, hein.
Alors, ma grande, tu la sens cette bonne odeur? C'est celle des grasses matinées, des brunchs et du farniente. Ouais, je ressens plutôt l'infâme odeur du blues, de la solitude et de la boule au ventre. Ben, c'est gay. C'est quoi cette déprime? Ben, je vais pas voir Tristan pendant 2 mois. Ça me réjouit pas vraiment, tu vois. Et voilà, c'est reparti. Ça devient grave, ton truc, là. Le pire, c'est que tu ne sais même pas si Tristan éprouve quoi que ce soit pour toi. Eh, tiens, salut, Tristan. Salut, on se voit plus tard, je dois filer, j'ai un cours de guitare. À plus. Ah, oh. Bon, t'as raison, je crois que c'est clair, il m'ignore complètement. N'importe quoi, si ça se trouve, il est juste à 2 doigts de craquer pour toi. Tu n'as pas remarqué des signes précurseurs de l'amour? Des quoi? Ben, des attitudes, des gestes qui laisseraient penser qu'il t'aime bien. Ah, comme s'il m'embrassait, par exemple? Non, moins clair que ça. Alors, comme s'il me filait son dessert à la cantine? Non, plus clair. Comme quoi, alors? Comme, à vrai dire, je ne suis pas experte. Tu n'as qu'à interroger des gens qui ont eu des histoires d'amour. Donc, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Le fessier maintenant, redressez-vous, extension, flexion, et on se fait une petite série de 30. Et 1, et 2, et 3, et 4. J'ai failli attendre. Salut maman. Alors, c'est pas une super idée cette webcam, hein? Faut voir à l'usage. Évidemment, ça n'a pas le charme de tes visites surprises. Maman! C'est le bazar ici, comme d'habitude. Oh, oh! Qu'est-ce que tu disais? Rien que grâce à ce système, plus besoin de prendre le train. Un clic et tu es chez nous. Parlons-en de chez toi. Je suis sûre que c'est le bazar, comme d'habitude. Et je constate que tu traînes encore en pyjama. Mais... Tu vas me faire le plaisir de t'habiller, de ranger et de te mettre au travail. Je reviens dans 1 heure pour tout vérifier. Bon, et comment ça s'éteint, ce fourbi? Tu rentres sur le fil? Salut. Salut. Je me demande si c'était une si bonne idée que ça d'équiper mamie d'un ordinateur et d'une webcam. Ben, ça va l'occuper. Dis, tu t'y connais, toi, en signe précurseur de l'amour? Ta mère, Lucien et Monsieur Verdier? Bonjour les experts, c'est tout ce que t'as trouvé comme témoignage? J'avais que ça sous la main. Enfin bon, voici selon eux la liste des signes annonciateurs de l'amour. Vas-y, je t'écoute. Alors, d'abord ma mère. Le signe du même moment, même endroit. Quand elle était jeune, elle jouait au flipper dans le café charcuterie de Mortebouze. Et bizarrement, certains garçons se débrouillaient toujours pour y être en même temps qu'elle. Et un jour, l'un d'entre eux s'est lancé et a essayé de l'embrasser. Pas mal. Au suivant. Lucien m'a parlé du signe de la salle obscure. Un jour, il a emmené une certaine Nadia au cinéma et il lui a offert des pop-corn. Et ben, elle a pas arrêté de le regarder et en sortant de la salle, elle se souvenait d'aucune scène du film. Plutôt intéressant. Ensuite? Ben, Monsieur Verdier, il m'a dit que c'était quand Boubou lui avait fait pipi sur les pieds qu'il avait compris que c'était le début d'une grande histoire d'amour. Mais ce signe-là, on va peut-être l'oublier, hein? Oui. Je crois que ça vaut mieux. Du coup, il te reste le même moment, même endroit et la salle obscure. Ben alors, il y a quelqu'un? Coucou! Ah, quand même! Qu'est-ce que tu fabriques fagoté comme ça? Le chauffage est en panne. Le chauffage? Au mois de juin? Tu ne changeras donc jamais, ma pauvre fille. Toujours à jeter l'argent par les fenêtres. Bon, écoute, maman, j'adore papoter avec toi, mais je dois travailler maintenant. Tu peux bien faire une pause pour ta vieille mère, non? Figure-toi que chez le cordonnier, j'ai rencontré la mère Trochu. Tu te souviens de sa fille, Gisèle? Non. Eh bien, figure-toi que cette idiote de Gisèle a quitté son mari qui a pourtant une bonne place à la mairie pour vivre avec un maître chien qui en plus ne dresse que des caniches. Triste monde. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Attention, le voilà. C'est parti pour le même moment, même endroit. Alors comme ça, tu vas acheter des CD? Oui, des CD. Salut.
Salut. Tu vas au magasin de musique, hein? Donc oui, au magasin de musique, là où travaille Richard, à côté de chez moi, enfin, tout près, quoi. Bon, bah, très bien, alors, au revoir. Salut. Toi et moi, ici, au même moment, si c'est pas un hasard, ça... Non, c'est pas un hasard. Lou, il faut que je t'avoue quelque chose. Oui, Tristan? Y a erreur sur la personne. Moi, c'est Gaëtan. Allez, gamine, tu te pousses. Désolée. Lou, alors? J'ai attendu 2 heures, pas de Tristan. Il n'a peut-être pas osé venir. Tu ne dois pas te laisser abattre. Il te reste le coup du cinéma. Laisse agir la magie du 7e art. Je suis sûre qu'à la fin du film, Tristan ne se souviendra d'aucune séquence. Ouais, on verra. Je suis vraiment contente que t'aies pu venir. Moi aussi, Lou. Alors, il joue Alban ou La confusion des sentiments. Paraît que c'est bien. J'avais super envie de le voir. Ça te dit? Oui. Et sinon, il y a quoi? Ben, un truc qui s'appelle les mercenaires. Il m'a dit, quand je vous vois au milieu de vos hortensias, je vous trouve jolie comme une taupe. J'en étais toute ébobie. J'ai pas laissé passer cet affront. Espèce de vieux débris, lui ai-je dit. J'ai peut-être la vue qui baisse, mais moi, je ne porte pas de moumoute. Oh, tu m'écoutes? Ah, oui, je t'écoute. Oh, mais maman, c'est pas l'heure de ton feuilleton? La clinique de la forêt vierge? Tu parles, c'est une véritable niaiserie. Figure-toi que dans le dernier épisode, cette grosse bourde de Barbara se rend compte qu'elle a accidentellement greffé le cerveau d'un serial killer à Miss Pinstock, la vieille octogénaire. Si c'est pas malheureux. Bon, ne bouge pas pour que j'aille au petit coin. Quel cauchemar. Salut, ça va? Non. J'ai acheté une webcam à ma mère et elle me dérange toutes les 5 minutes. Je suis au bout du rouleau. Alors, y a quelqu'un? Attends, tu sais quoi? Je vais lui parler. Je sais trouver les mots justes avec les vieilles. Enfin, je veux dire, avec les mères. Bonjour, madame. Ah, Ivy. Comment allez-vous, chère madame? C'est moi, Richard, le voisin de votre fille. Ah oui, je ne vous avais pas remis. Normalement, c'est à votre infâme odeur de mouton mort que je vous reconnais. Désolé, mais là, c'est au-dessus de mes forces. Allez, Richard, reviens. Ne te fâche pas, quoi. Un problème? Non, c'est rien, Lucien, je... Lucien, attends. Les ordinateurs, tout ça, c'est ton truc, non? Non, franchement, c'est énorme. T'as vu la scène où les mercenaires reviennent dans le camp des méchants sous la pluie et celle où ils font exploser l'hélico et le coup des champs de mine? Tu te souviens de toutes les scènes? Ben oui, pas toi? Non. C'est pas grave. Allez, salut. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé que ce serait sympa que tu reviennes prendre un café. Ma mère ne nous embêtera plus, promis. Dire que je t'avais trouvé un prétendant, le petit Clément Fifrelin. C'est devenu quelqu'un de très bien. Il a une situation, lui. Il est docteur. C'est lui qui s'occupe de mes varices. Ben oui, maman, je sais. Mais non, ma fille préfère parader en redingote au mois de juin avec des pique-niques qui sentent la pique. Ben oui, maman, je sais. C'est un monde, ça. Moi qui me suis saignée aux 4 veines pour t'élever. Voilà comment tu me remercies, en fricotant avec des saltimbanques mal peignées. Ben oui, maman, je sais. Comment t'as fait ça? Mamie discute avec une vidéo de moi enregistrée tout à l'heure. Lucien a modifié le programme pour lui repasser en boucle. Ah, oh, c'est génial. Bon, on se le fait, ce petit café? Ok. Bon. Eh ben voilà, je dois me faire une raison. Il n'y a pas eu de signe et il n'y en aura jamais. Je vais pouvoir déprimer sereinement tout l'été. Ma pauvre loulou. Salut. Faut que je te laisse. Un miracle. Je te rappellerai pour te raconter. Ta mère m'a dit que je te trouverais là. Ah, ben oui.
Mon père a un super mal de tête, il supporte plus le moindre bruit. Alors, comme je dois répéter ma guitare, je me suis dit que... peut-être ici... Tu as bien fait. J'aimerais bien jouer comme toi. C'est pas dur, tu sais. Si tu veux, je te montre les accords de base. Tu crois que j'y arriverai? Bien sûr. Tiens, essaie. Quelqu'un a dit, il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. Je commençais à en douter sérieusement. Mais d'un seul coup, tout s'est éclairé grâce à un signe, un tout petit signe. Finalement, les vacances commencent plutôt bien, non?